Yo les amis, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, toute l'œuvre d'Akira Toriyama. Et comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui excite beaucoup Oda. Final Flash! Dragon Ball, manga culte parmi les mangas cultes, créé en 1984 par Akira Toriyama et aujourd'hui toujours en production. Plus de 250 millions d'exemplaires vendus. 35 ans que Sangoku traverse les générations, le Michel Drucker du manga. Alors le point fort de ce manga, c'est avant tout les valeurs, le dépassement de soi, repousser ses limites face au danger et ne jamais s'avouer vaincu. C'est aussi des valeurs d'amitié et de fraternité. Non, on rigole, on s'en branle, c'est la bagarre, c'est la tape, du sale! Ish, ish! Ça se tape! Bah oui, la formule magique, c'est la bagarre, c'est la baston, avec ses techniques cultes! En voyant DBZ, t'as forcément essayé de faire un Kamehameha! En regardant Olivier Tom, t'as forcément essayé un tir de l'aigle! En regardant Ranma 1/2, t'as forcément essayé de te déguiser en meuf! C'est obligé! Ah bon? Non, mais c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas moi, je vais pas à la télé de toute façon. Bon, un des points négatifs, c'est que c'est pas hyper crédible, hein. Ils ont des pouvoirs de ouf, ils en font rien, les gars. Bah oui, par exemple, la téléportation. Le mec, il fait des trajets de 5 minutes que t'aurais pu faire en Uber. Fais-toi kiffer, c'est gratos! Et pareil pour les Dragon Ball. C'est quoi ces vœux claqués? Alors, ressusciter les morts, ok. Il y en a, il a carrément demandé une culotte. L'autre, il a demandé une glace. Vous êtes sérieux, les gars? Le frigo est offert par la maison. Moi perso, le dragon, je lui demanderais le truc de Men in Black, tu sais, pour effacer la mémoire là. Ça me sauverait de ouf ça. Non monsieur Giro, mon compte n'est pas à découvert. Non patron, je suis arrivé à l'heure toute la semaine. Non chérie, tu n'as pas retrouvé de string sous le lit. Ça n'a rien à voir. Moi perso, je me fais un kiff le dragon, je lui demande de devenir le nouveau PDG de Netflix, tu vois. Et j'enlève toutes les séries. Et à la place, je mets Louis la Brocante, Derrick et Plus belle la vie. Comme ça, on va voir si vous allez rester à la maison pour faire des soirées cocooning. No, God, please, no, no! Bon, autre point négatif, c'est que plus le manga il avance, et moins les méchants ils sont travaillés, hein. Ouais, au départ, t'as Freezer, analogie du dictateur avec son armée, le mec il a organisé, carré. Après, y'a Cell, un monstre créé de toutes pièces, mais au moins il veut se bagarrer, il veut être le plus fort, tu vois. Et alors là, après, boubou. Alors les gars, 3 ans d'âge mental, totalement débile, il veut juste manger, il sait même pas aligner 3 mots de français, et à 15 ans près, il finissait sur Energy 12 à faire les anges, lui, hein. En slip à Miami, c'était réglé, hein. Dernier point négatif, qu'est-ce qui s'est passé avec Sangohan? Toute sa jeunesse, on nous explique que c'est lui qui a le plus gros des potentiels et que ça va être le plus fort. Et arrivé à l'âge adulte, le mec, il devient totalement claqué. Éclaté contre un mur, ça devient le guerrier intergalactique, là. Eh, Akira Toriyama, fallait l'appeler Atem Ben Arfa directement, ton gars. Abusé. Conclusion sans aucun suspense, certifié classique. Bien évidemment, tout ce qui touche à Dragon Ball de près ou de loin est certifié classique. Même Dragon Ball Evolution, le film, là. Tu sais, ils ont fait un film, genre, Sangoku il va au lycée et tout, c'est un peu n'importe quoi, je sais pas si tu vois le... J'ai oublié ce film, il est sorti de ta mémoire. Et tu me dois 100 balles. Hop hop hop, tu vas pas partir les mains vides? Eh ben oui, avant de partir, tu t'abonnes à la chaîne? Eh ben voilà! Et ben on te regarde, allez! Allez! Voilà! Ça fait plaisir!